On va parler de ce sondage prévisible, si vous voulez mon avis. Si vous regardiez les courbes là, des derniers sondages, ça monte comme ça pour le PQ, ça descend comme ça pour la CAQ. Et les courbes se sont prolongées. Jean-Marc Léger, président de Léger, est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Oui, salut Mario. Ouais. Tu sais, j'ai pas besoin d'être un grand prophète, je faisais la prédiction la dernière fois. Les courbes n'ont pas fini là, parce qu'on sentait que ça montait pour le PQ, ça descendait pour la CAQ. Ça s'est poursuivi. C'est poursuivi, mais c'est quand même assez drastique, là. Il y a un an, la CAQ avait 41% des voix. Il est à 25 aujourd'hui. C'est une baisse de 16 points. J'ai rarement vu ça, moi, à 37 ans que je fais des sondages. Et d'un autre côté, les 16 points ont tous été récupérés par le PQ, qui a eu 15% à l'élection, et là, qui grimpe à 31%. Là, la variation de plus 5, moins 5, vous voyez, c'est par rapport au mois dernier. En un mois, ça s'est poursuivi. Oui, mais effectivement, on a presque jamais vu un parti monter et un autre descendre à cette vitesse-là. Regardons ce que ça donne dans le vote francophone. Évidemment, ça serait fait dans le vote francophone, où là, le PQ a pris une très claire avance. Oui, 6 points d'avance chez les francophones, parce qu'on sait que c'est déterminant dans la grande majorité des comtés au Québec, au moins 85 comtés où c'est déterminant. Ça veut dire que s'il y avait élection aujourd'hui, là, il y aurait un gouvernement PQ. Est-ce que ce serait majoritaire ou pas? Ça va dépendre de la bataille dans chacun des comtés. Qui aurait dit ça? Mario, ça fait 10 ans que le PQ n'a pas été premier dans les sondages. La dernière fois, là, c'était en mars 2014. Près de 10 ans que le PQ était pas ouais. En tête des intentions de vote. Bon, parlons des autres. Le Parti Québec solidaire semble avoir eu un petit sursaut de son congrès, la visibilité du congrès. Oui, c'est 2%, on est prudent parce que c'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Mais en même temps, Gabriel Nadeau-Dubois a grimpé de 5 points comme meilleur premier ministre. Donc, il y a vraiment un effet Gabriel Nadeau-Dubois post-congrès, mais on a sondé une semaine après. Donc, ça a un impact sur les résultats. Mais ce qui transpire de tout ça, c'est le taux de satisfaction en arrière. Vous savez, Mario, on a tous les deux connu Robert Bourassa. Robert Bourassa, les intentions de vote, ça ne l'intéressait pas. Surtout entre les élections, il disait, c'est sûr, il y a le taux de satisfaction qu'il fait surveiller, mais il est en chute libre pour la CAQ complètement, là. Il a perdu 8 points en un mois, 8%. À 32% de satisfaction, vous le voyez devant vous, et 63% d'insatisfaits. Puis surtout qu'il y a la moitié d'entre eux qui sont très insatisfaits. Fait qu'il y a beaucoup de détracteurs du gouvernement qu'on entend partout sur les médias sociaux, là, parce que les satisfaits, eux autres, sont plutôt discrets au total. Fait que ça, c'est le facteur de fond, parce qu'en premier, là, les gens évaluent le gouvernement. Et depuis plusieurs mois, Mario, le gouvernement n'a donné aucune raison de les aimer. Ouais. Nommer les dossiers, il y a quelques minutes, M. Legault a parlé de ça, que ce soit le dossier sur la hausse des salaires, l'augmentation de la subvention au King, que ce soit sur le troisième lien qui a bougé. À tout égard, là, ça va pas bien, le gouvernement. Il n'y a pas de raison de les appuyer. Avec un taux d'insatisfaction aussi élevé, puis on a déjà vu dans le passé des gouvernements vivre ça, ça s'est vécu à quelques reprises. C'est que tu arrives dans une zone où c'est difficile de gouverner. C'est-à-dire que quand le gouvernement, demain matin, le gouvernement présente un nouveau projet, parce que ça vient de la bouche de ce gouvernement-là qu'on déteste, on n'écoute plus vraiment le projet, est condamné avant d'être mis au monde, là. Donc, ça devient même difficile d'avancer des réformes, des projets, parce que quand ça vient de toi, les gens n'écoutent plus, les gens disent, bon, un autre de leur patente. Fait que là, tu arrives comme gouvernement à ne serait-ce que parler au monde devient complexe, là. Oui, parce que quand en politique, tu as le vent d'en face, tout ce que tu fais est négatif. Chaque geste, chaque mot qu'il dit est mal perçu. Ce qui était l'inverse il y a 3 ans, en pleine pandémie, il y avait le vent dans le dos. Tout ce qu'il faisait, c'était miraculeux. Son taux d'approbation était au-delà de 70% durant la pandémie. Il était le premier ministre le plus apprécié au Canada. Aujourd'hui, avec 32%, il est celui qui est le plus mal aimé au Canada. Fait que tout un changement pour François Legault. On va aller voir. On va parler des individus maintenant, les chefs eux-mêmes. Tu viens de nous dire là, un gain important de Gabriel Nadeau-Dubois, plus 5. François Legault, moins 4. En fait, ça suit un peu la tendance générale de la CAQ. Paul Saint-Pierre Plamondon à 28. Des choses notables? Oui, il y en a un majeur. Regardez François Legault à 19%. Je vous ai dit qu'il est à 25% d'intention de vote. Il y a à peu près le cinquième des caquistes qui sont encore caquistes aujourd'hui qui disent qu'il ne fait pas le meilleur premier ministre. Fait qu'il y a comme une fissure dans la CAQ qui est dangereuse à cet égard-là. Hein? Du côté du PQ, à 28%, son intention de vote est à 31% après répartition des indécis et le taux sur la souveraineté est à 34%. Là, ce que je vous prédis aujourd'hui, c'est que le PQ va atteindre son plafond maintenant. Autant la montée était forte, autant la montée ne sera pas forte dans l'avenir parce que la souveraineté est à 34%, ça n'a pas bougé. Fait que vous avez une montée fulgurante du vote péquiste, mais pas des souverainistes. Puis Mario, une donnée.
Seulement 69 % des péquistes disent aujourd'hui qu'ils voteraient pour la souveraineté. Oups. 31 % ouais. disent non. Mais ça, on va, c'est Adonis qui m'a surpris. Mais ça, on va y revenir, parce que j'ai ma thèse là-dessus. D'ailleurs, ta question aujourd'hui sur la souveraineté, elle m'a brassé le cœur. Je vais y revenir tout à l'heure. On va aller tout de suite dans les raisons de l'insatisfaction. Parce qu'il y a la baisse de la satisfaction du gouvernement. Et c'est une question vraiment intéressante que tu as posée. C'est quoi qui vous a choqué? Bon, il y a les affaires qui ont été vraiment dans l'actualité beaucoup des dernières semaines, le salaire des députés, subventions aux Kings. Mais moi, ton sondage, il m'a intéressé sur une chose, parce que des fois, nous-mêmes, dans les médias, on est tellement dans l'actualité, on oublie le fondamental. Pour monsieur, madame, tout le monde, de loin, la chose numéro un encore, c'est que ça ne s'améliore pas en 100 ans d'éducation. Au-delà des dossiers du mois ou des dossiers à la mode ce mois-ci, la grosse affaire fondamentale qui traîne dans le décor, c'est que nos services publics sont mauvais, là. Exactement. C'est la base. Hein? Et tous les gouvernements ont fait face à ça parce qu'ils nous arrivent avec toutes sortes de réformes, mais dans la vraie vie, l'accès à l'urgence est aussi compliqué. Le système d'éducation ne s'est pas amélioré. Ils n'ont pas réussi. Durant la pandémie, ça passait à côté, c'était secondaire. Là, on arrive en pleine négociation au secteur public, c'est encore plus. Et c'est le facteur numéro un parmi ceux qu'on a mentionnés. Là, vous avez vu les pourcentages, parce qu'il y avait le droit d'en nommer trois. Là. C'est pour ça que ça ne donne pas 100 %. Mais il y en a une qu'on n'a pas mesurée là-dedans, Mario. C'est ce que le gouvernement n'est pas directement responsable. La montée de les taux d'intérêt et de l'inflation, ce n'est pas une responsabilité qu'on peut imputer directement au gouvernement. Mais ça nuit à tous les gouvernements de la planète Terre. Là. Partout dans le monde, les gouvernements sont plus impopulaires parce que les gens se sentent plus pauvres. Exact. Les 85 % des Québécois ont une anxiété financière. Fait que dans ce temps-là, ça prend un coupable, puis c'est le gouvernement. Fait que M. Legault a un taux de popularité de 32 %, mais France Trudeau est à 32 %, Biden est à 38 %, Macron est à 25 %. Partout, comme tu le dis, les taux de satisfaction du gouvernement ont chuté. Fait qu'il y a des effets de mauvaises décisions ou d'anecdotes, comme la subvention des Kings, qui est une drôle de décision, là, qui est dans mais le fond... Mais c'est du change, je veux dire, ça, là, que ça se retrouve si haut, c'est un peu drôle, parce que c'est 7 millions, on veut dire, sur le budget du Québec, c'est du change, là. Tu peux être très en désaccord, mais c'est pas une grosse affaire, là. Exact. Mais ça s'additionne. T'sais, c'est comme s'il y avait eu juste celle-là, on ne l'aurait même pas entendu parler d'un sondage. Mais étant donné qu'il y en a plusieurs qui s'additionnent, puis chacune des décisions, ça amplifie le mouvement d'insatisfaction. Mm-hmm. C'est difficile de trouver une raison pour laquelle aujourd'hui les gens seraient satisfaits du gouvernement. Puis ça, c'est le défi de François Legault. Dans son entrevue tantôt, il prenait avec humilité. Il comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas, puis il n'avait pas peur de le nommer. Bernard Landry, Mario, disait une phrase avec les sondages qui m'a toujours resté, qui disait « Le sondage donne le niveau de courage que le gouvernement a besoin. » Dans la négociation du secteur public, disons qu'il y a besoin de pas mal de courage. Ouais. On surveille toujours la région de Québec, qui est un peu à part, qui est souvent même en position de leadership. Là, c'est la première région qui a joint la CAQ, le reste du Québec a suivi. Et là, la région de Québec, elle, donne un tout autre portrait. Parce que là, t'as le PQ en avance, t'as Éric Duhaime et son Parti conservateur en deuxième, et là, la CAQ, dans sa région chouchou, est rendue troisième ex aequo avec Québec solidaire. Ouais, puis il y a trois facteurs derrière ça. Il y a forcément, depuis l'élection partielle, s'acheter de façon importante à la CAQ, parce que la CAQ était battable. Ça, c'est le premier élément. Son virevoltage sur le troisième lien a un impact important aussi dans la région de Québec, mais il y a surtout, à mon avis, les négociations dans le secteur public. Ouais. Parce qu'on sait que près de 40 % de la population qui vit dans la ville de Québec ont un membre de leur famille au gouvernement. Fait que ça, forcément, actuellement, là, on sait le pire moment pour François Legault pour mesurer sa popularité. Hein. J'aimerais qu'il y a un parti dont on n'a pas parlé. On vient de voir la région de Québec. Tu avais les libéraux à 4 % chez les francophones à 5 % dans le sondage général dans l'ensemble de la population, à moins 1 %. Ce sondage-là est dramatique pour François Legault. Il est aussi pour les libéraux. Puis notamment, tu sais, quand je regarde la baisse de la CAQ, là, Jean-Marc, c'est un peu comme un camion de la Brinks qui s'ouvre, là, puis les pièces volent au vent, là, tout le monde s'en ramasse. La CAQ perd tellement de points, la CAQ perd tellement d'appui, on a l'impression que tous les autres partis devraient pouvoir s'en ramasser. Alors, les libéraux ont reculé, les libéraux ramassent rien. Est-ce que c'est pas un peu dramatique pour eux aussi dans un contexte où il y a du vote disponible, il y a du monde déçu, il y a du vote disponible, de n'en récupérer, en fait, non seulement de ne pas en récupérer, ils n'ont même perdu s'il y a quelque chose. Et puis c'est tellement fondamental ce que tu mentionnes là. C'est, ça n'a pas de bon sens que les libéraux n'aient pas récupéré du vote. L'erreur stratégique de choisir un chef en 2025, là, c'est catastrophique. Il y a plein de fédéralistes aujourd'hui qui votent à la CAQ, qui n'ont pas beaucoup de choix. D'ailleurs, je l'ai mentionné tantôt, il y en a certains qui se retrouvent au PQ.
parce que, dans le fond, ils n'ont pas d'autre choix. Le Parti libéral n'est tellement pas attirant aujourd'hui qu'ils ne récupèrent pas, parce que ce serait naturel de récupérer. Et Mario, quand le Parti libéral va commencer à monter, parce qu'il va monter, il ne restera pas à 14 % quand il y aura le nouveau chef, là, et là, c'est là que ça va faire mal à François Legault, parce que d'un côté, si les nationalistes s'en vont au PQ, si les fédéralistes s'en vont parce que, justement, le PQ est plus fort, les fédéralistes risquent d'aller vers un parti ultra-fédéraliste, et là, ça peut changer la donne. L'avenir n'est pas rose pour François Legault, mais il a 3 ans devant lui. Oui, il y a 3 ans devant lui. Bon, cette fameuse question sur la souveraineté, parce que parfois, tu poses la question, bon, tu sais, souveraineté pour, contre, bon, ça, c'est celle qu'on a à l'écran. Mais là, tu en as posé une plus corsée, là. Plus musclée, à savoir, si vous aviez le choix, là, entre l'appui à la souveraineté ou signer la Constitution actuelle. Exact. Qui, pour moi, signé contre la Constitution actuelle, c'est épouvantable. Je veux dire, à la limite, Koch ne répond pas ou ne sait pas si tu veux vraiment pas de la souveraineté. Mais moi, ce que ça m'a dit, c'est que les gens, dans le fond, sont prêts à rentrer à genoux dans le Canada, à quatre pattes dans le Canada, tellement ils veulent pas la souveraineté, là. Ah, c'est tellement fondamental. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que, contrairement aux deux autres référendums, il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de troisième option de fédéralisme renouvelé possible. Le Canada ne se renouvellera pas. Ce qui n'était pas le cas en 95, il y avait encore de l'espoir. C'est pour ça qu'on a posé cette question-là. Puis j'ai rajouté dans mon affaire, c'est signature de la Constitution, mais dans la question, on rajoute aussi « et demeurer une province comme les autres ». Il y a ça dans la question aussi. La question était très, très dure. Là. Normalement, il aurait dû avoir 10 %. Ça veut dire que les Québécois sont vraiment prêts à rentrer dans le rang à quatre pattes pour n'importe quoi sauf la souveraineté, là. Sauf la souveraineté. Fait que dans le fond, je demande pour la souveraineté de 34. Puis je vous dis, si je vous oppose à la signature de la Constitution, ça reste à 34. Et c'est là que je dis que le plafond du PQ est bas, là. Il est à 34. Ils ont 31 actuellement. Fait que ça, c'est pour ça que je dis que cette montée-là va se limiter. J'ai testé plein de choses. Pensez-vous que la souveraineté est faisable? Pensez-vous qu'elle est souhaitable? Pensez-vous qu'elle est gagnable? À chaque fois, là, les taux sont faramineux. Pensez-vous que la souveraineté va se faire un jour? 22 % des Québécois y croient. Fait que t'as des souverainistes, ça, aussi, souverainistes, mais qui disent qu'elle se fera pas. Fait que oui, le PQ est en santé, la souveraineté ne l'est pas. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est le PQ ou c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, l'individu qui est devenu le nouveau héros, la nouvelle vedette, celui qu'on aime, son attitude, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le PQ? Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon formerait un nouveau parti qui ne serait pas souverainiste? D'après moi, il y aurait à peu près le même nombre. T'sais, c'est l'individu plus que la cause qui est touchée. Oui, parce qu'il incarne ce que les Québécois aiment, des gens transparents, des gens qui disent ce qu'ils pensent, qui ont des convictions. C'était ça, Jack Layton. C'était ça, le phénomène de gens comme ça. Même Lucien Bouchard, c'était le même phénomène qu'on a vu dans le temps. Fait que oui, il y a une popularité croissante. Il va traîner son parti pendant un certain temps, mais là, il va faire face à des questions existentielles. Ouais, sur la souveraineté, Bouchard avait fait les conditions gagnantes, Mme Marois, la gouvernance souverainiste. Le peuple n'en veut pas de référendum. Fait qu'il va se heurter à une dynamique électorale. Fait qu'il va être obligé de s'ajuster entre les convictions puis le fait d'avoir la difficulté à gagner l'élection. Fait que tout est là. C'est pas facile. Mon père avait une phrase, Mario, c'est quand on devient fort qu'on devient vulnérable en politique. Dernière question, vite, avec ton expérience. Est-ce que ça se revire pour François Legault? Est-ce qu'il doit mettre un X sur la... Moi, ce matin, je disais, il doit mettre un X sur l'année 2024, là. Il doit semer en 2024 dans l'espoir, peut-être, de remonter en 2025, parce que revirer une tendance aussi forte, là, quand tout le monde parle contre toi, quand tu tombes en chute libre, c'est toute une job. Est-ce que ça se revire ou il est cuit? Ah non, ça se revire. J'ai vécu ça souvent. À un moment donné, Pierre Bouc était à 15 % d'un sondage. Je lui dis, j'ai affirmé publiquement, jamais il va se faire élire. Il a été élu un an après. Il a été réélu. Oui, c'est possible parce que le plus difficile, c'est que tu peux descendre rapidement. Monter rapidement, c'est rare. Fait que ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est rare en politique. Fait que ce que François Legault est capable de revenir, il est en contrôle de l'agenda. Il est premier ministre du Québec. Il y a un gouvernement majoritaire. C'est juste à lui de choisir ses combats. Moi, je pense qu'au cours des derniers mois, ils ont déraillé, mais c'est possible pour eux autres de revenir parce que l'avantage, c'est qu'il y a 5 partis politiques. À 1 contre 1, je te dirais, il n'y a pas de chance. À 5 partis politiques, ça prend 34-35 % des voix pour être élu. Fait que oui, c'est possible. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Au plaisir.